RMC, l'immanquable grande gueule. L'intégration, on fait tout. On a un pays où on vous permet de tout faire ça. On a les bourses d'école, on a plein de choses. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas d'intégration. Alors, voilà, moi, alors, Laurent, vraiment, je suis contente que vous appeliez parce que, justement, vous illustrez ce que je voulais dire tout à l'heure. Lorsque vous dites « on vous permet », c'est qui « on » et c'est qui vous. Notre pays, la alors, France. Notre pays. Donc c'est est-ce mon que pays, vous, dans vos pays mais musulmans, voilà. Non, mais mon pays aussi, moi la des France. Ministres chrétiens dans vos pays musulmans. Donc, mais c'est pas le tout de dire que la France. Laurent, écoutez Fatima, écoutez bien sa phrase. Alors, parce que Laurent, mon pays, c'est aussi la France. Tu es né ? Je suis né à Poitiers. Oui, elle est française. Voilà. Bah ouais. C'est bien connu, Poitiers. Je suis né à Poitiers. je vais au Maroc en vacances. Donc j'aime le Maroc, c'est mon pays d'origine, et je suis française. Donc oui, mais quand vous me dites « on vous permet », je ne sais pas vous, et vous ne savez même pas, je m'appelle Fatima, et finalement, vous ne savez même pas si je suis musulmane ou pas, puisque musulman, bah, je peux vous très bien… Tout à l'heure, vous avez bien présenté les choses. Ah, non, pas du tout, j'ai jamais dit… Pas du tout. Alors là, j'ai dit « on vous aurait… » Vous avez dit « j'aimerais que quelqu'un représente… » Voilà, mais j'ai pas dit « moi », alors surtout pas, moi j'ai aucune… Et que ça soit clair pour tous ceux qui nous écoutent… Mais musulmane, vous avez bien dit musulmane. Je n'ai aucune… Il n'y a pas de vous avez bien dit musulmane. Regardez Laurent, mais c'est super. Oui, mais les musulmans, j'ai parlé des musulmans, et que justement, comme je m'appelle Fatima, on m'interpelle souvent sur ça, et je disais que justement, il n'y avait pas de porte-parole, qu'on avait mes porte-paroles pour parler de ça, du culte musulman. Il y a Chalgoumi qui est identifié pour parler des musulmans, mais parce qu'il est imam, mais il est ridicule, et je dis justement qu'il y a d'autres. Il y a des imams en France, il y en a d'autres qui parlent très bien. Donc pourquoi avoir choisi Chalgoumi? Ça fait un peu sabotage. Quoi, parce que c'est un peu n'importe quoi. Mais moi, Fatima, professeure de français née à Poitiers, je ne prétends aucunement, et pas du tout, mais vraiment pas, je n'ai ni la prétention ni la légitimité pour parler au nom de RMC, l'immanquable grande gueule.